aussi, bien sûr, à cause de Bush, à cause de la protection d'Obama. Genre, ces deux personnes sont nommées, sont identifiées en public. Donc il y a en fait une... Si c'est pas à travers la justice, oui. Au moins, il y aura un peu de... Peut-être une humiliation ou bien honte, au moins honte. Oui. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une forme de, on va dire, intestine à l'intérieur de la CIA? Ça dépend. Il y a toujours des retraités de la CIA. Oui. Et leur ancien patron qui veulent des règlements de compte. Et un bon journaliste trouve ces gens-là et leur fait parler. Donc, Hirsch est très actif dans ce milieu. Et on peut trouver quelqu'un. En fait, vous nous dites tout à l'heure, la politique qu'ils adoptent. Ben, je ne sais pas, ça dépend. Une quasi-unanimité sur l'intention en Afghanistan. Oui. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a une grande division sur la pratique. Un grand écart entre ceux qui appuient toujours, qui vient toujours, et ceux qui étaient contre. Donc tout ça a basculé après. Mais en Afghanistan, on est toujours là. Alors permettez-moi de dire la démocratie, les États-Unis s'engagent dans un certain nombre de pays, notamment arabes. Par les Mukhabarat.